Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous donner plein de conseils pour apprendre efficacement les diagrammes d'arpèges ou de gammes pour bien les mémoriser et les apprendre efficacement. En guitare, on a plutôt tendance à penser de façon visuelle, donc en diagramme, en dessin sur le manche, plutôt qu'en nom de notes. Mais on peut très bien penser en nom de notes. En général, on a tendance, comme la guitare s'y prête bien, à voir les choses d'un point de vue plus géométrique et donc visuel. Donc on va se débrouiller pour mémoriser ces dessins que créent les gammes ou les arpèges d'accords, les diagrammes quoi. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est lorsque vous travaillez les gammes ou les arpèges d'accords à partir d'un diagramme, de ne pas regarder la guitare, de garder les yeux sur le diagramme et de vous fier à vos sensations à la main gauche pour vous déplacer sur le manche. Même si peut-être que la première fois vous pourrez regarder le manche, mais dès que vous commencez un peu à connaître l'arpège d'accord, ne regardez plus le manche. Je prends l'exemple de l'accord de Si bémol 7 qu'on va arpéger. Donc note à note, ça fait ça. Tac. Donc là, le plus possible, je ne regarde pas la guitare. Je positionne mes doigts avec un doigt par case. La note d'après, c'est là. La note d'après, je ne regarde pas le manche. Je sais que c'est ici. Trois cases plus aiguës. Ensuite, c'est cette note, mais je vais faire avec ce doigt-là. Et vous voyez que je fais exprès de sans regarder le manche, je me déplace avec mon doigt pour bien ressentir où est la frette. Et donc bien me localiser sur le manche sans le regarder. Voilà. Ensuite, deux cases plus aiguës. Je monte, je suis juste ici. Voilà. Après, je l'ai fait... À la fin, j'ai fait plus rapide et sans regarder la guitare pour vous montrer qu'avec l'habitude, en fait, vous allez bien l'avoir dans la tête, ce diagramme-là. Donc c'est très important de faire ça, comme si vous étiez aveugle, on pourrait dire, hein, sans regarder le manche de la guitare. C'est quelque chose qui, je trouve, est vraiment très efficace. On s'oblige à ne pas regarder le manche de la guitare et souvent, du coup, on se fie plus à l'oreille et à une visualisation mentale du manche. Transition sur le deuxième conseil que je vais vous donner concernant la visualisation du manche, ça peut être un très bon exercice de passer un peu de temps à simplement recopier les diagrammes. Vous pensez que vous connaissez ce diagramme d'arpège de Si bémol 7, prenez un diagramme vierge, il y en a téléchargeable sur mon site, il y a le fichier PDF qui est en lien dans la description de la vidéo. Vous téléchargez ce fichier qui contient différents diagrammes vierges et simplement vous réécrivez les notes de cet arpège et vous voyez si vous avez juste ou pas. À la fin, vous faites la correction. Et ça vous permettra... Alors déjà, il y a des personnes qui mémorisent beaucoup mieux en réécrivant, en recopiant ce qu'ils doivent apprendre. Typiquement, il y a des personnes pour apprendre des cours, et ben, en les écrivant, en fait, ça imprime bien. D'une part, et d'autre part, vous allez probablement vous rendre compte en réécrivant ces diagrammes et peut-être en vous trompant que, en fait, ah oui, entre telle note et telle note, vous pensiez qu'il y avait deux cases, mais en fait, il n'y en a qu'une. Et dans votre tête, c'était un peu plus espacé, alors qu'en fait, ça n'est pas tant que ça. Donc, ça va beaucoup préciser votre visualisation de ces notes, de ces emplacements de notes, de ces diagrammes, quoi. Troisième conseil, mettez ces arpèges d'accords ou de gammes dans un contexte. Essayez de voir quel est l'accord qui porte ce diagramme de gamme ou d'arpège. Je prends l'exemple de l'arpège qu'on vient de faire, l'arpège de Si bémol 7. C'est très important lorsque vous jouez ces notes-là de jouer avant ou après l'arpège d'accord la position de l'accord. Et de bien voir qu'en fait dans cette position d'accord, en fait toutes les notes sont dans l'arpège d'accord, c'est logique. Et idem pour une position de gamme, si vous apprenez le mode de Si bémol mixolydien, puisque là on est sur un Si bémol 7, essayez de voir comment ces notes se posent par rapport à l'accord, à la position de l'accord de Si bémol 7. Quatrième conseil, jouez ces positions de gamme et d'arpèges d'accord sur des accompagnements, sur des playbacks ou même sur des morceaux originaux. Ça vous permettra de les jouer dans la pulsation et puis de voir comment ces notes sonnent en fait, par rapport à un accompagnement donné. Donc de les mettre dans un contexte harmonique, on pourrait dire.
et puis de faire de la musique avec, tant qu'à faire. C'est quand même ça le but. Donc je vais appliquer ça sur un playback qui contient uniquement un accord. Il y en a plein sur ma chaîne YouTube, des playbacks avec un seul accord. Ils sont d'ailleurs listés dans la playlist playback sur un accord, je crois. Et donc là, je vais faire ça sur un accord de Si bémol 7 avec une rythmique qui sous-entend le morceau de Chicken. Un autre conseil, si vous apprenez plusieurs positions d'arpège d'accord ou de gamme, essayez de faire la connexion entre ces positions. Je prends l'exemple de cette position qu'on connaît maintenant et de la position qui est portée par cette position d'accord. Donc la position de l'arpège de Si bémol 7, c'est ça. Quand je dis « faites la connexion », ça veut dire « observez qu'en fait, il y a plein de notes en commun entre ces deux positions d'arpège. Toutes les notes qui sont à droite de cette position-là sont communes avec les notes qui sont à gauche de cette position. Celle-là, on la retrouve. Celle-là aussi, celle-là aussi, celle-là aussi, et celle-là aussi. Et là, là, ici, ici, ici. Donc voilà, essayez de bien faire la connexion entre ces deux positions. Vous pouvez faire plein d'exercices pour travailler ça, faire des démanchés, notamment vous passez de l'une à l'autre. Sur différentes cordes, je propose un exercice d'ailleurs à ce sujet dans la vidéo sur 'Cause We've Ended As Lovers, une ballade de Jeff Beck. Enfin, jouée par Jeff Beck. Bref, donc ça c'est un autre conseil, essayez de bien faire la connexion entre les différentes positions d'arpège d'accord ou de gamme. Et un dernier conseil, si vous voulez maîtriser encore plus ce que vous faites quand vous jouez ces gammes ou ces arpèges, essayez de savoir sur quelle note vous êtes, quel est le rôle de la note que vous jouez. Est-ce que vous êtes sur la septième de l'accord, sur la quinte, sur la neuvième, sur la tierce? Donc improviser, Si bémol mixolydien par exemple. Je m'arrête sur cette note et j'essaie de me dire c'est quoi cette note. C'est la neuvième, ok. La quarte. La sixte ou la treizième. Donc vous vous arrêtez sur une note, je le fais très vite, hein, mais il faut le faire lentement cet exercice. Vous vous arrêtez sur une note et vous vous dites quelle est cette note. Et vous voyez que je suis capable de le faire très rapidement parce que je l'ai fait beaucoup cet exercice. Et si je l'ai fait beaucoup, c'est pas juste parce que j'aime bien faire des exercices compliqués. C'est parce que j'ai compris au bout d'un moment que la note qu'on va tenir, son rôle par rapport au contexte harmonique, donc à l'accord qui est joué derrière, va beaucoup influencer la sonorité de cette note-là. Est-ce qu'elle va sonner dissonante et blues, ou alors très consonante et très majeure? Bon, donc le rôle de la note, c'est quelque chose d'important à connaître. Quel est le rôle de la note qu'on tient? J'espère que ces conseils, qui sont complémentaires aux autres vidéos que j'ai déjà publiées sur YouTube, ou même les vidéos payantes sur mon site Guitare Improvisation, j'espère que ces conseils vous aideront bien à apprendre efficacement à bien mémoriser ces arpèges d'accord et ces gammes qui sont quand même très utiles dès qu'on joue sur des styles de musique où il y a des accords qui changent, où il faut adapter nos notes aux accords qui sont dans l'accompagnement. C'est indispensable de jouer ces arpèges d'accord et ces gammes et de connaître ça. Allez faire un tour sur ma chaîne YouTube pour les playbacks, pour travailler l'improvisation sur un seul accord par exemple. Il y a plein de pages diverses sur le site Guitare Improvisation. Il y a aussi des vidéos beaucoup plus complètes, des tutoriels d'une heure segmentés en différentes parties. Ce sont des cours qui sont payants et qui sont à un tarif très raisonnable. Bref, j'espère que ça vous aura plu.